Ça va, Bruno? Ouais. Bon, t'as acheté des trucs là pour l'instant? J'ai dépensé 80 euros chez FCS, hein, c'est ah, déjà pas mal. Hein. Ah ouais, grâce à ta cagoule à 5 euros. Ouais. Grâce à ta cagoule à 5 euros. Qui va te permettre de surfer plus longtemps l'hiver. Exactement. Et puis, enfin, l'année prochaine, hein, parce surf, que c'est fini. Surf d'argent en plus, parce que bon, là, c'est, ouais, elle est dorée quoi. Remarque, à 5 euros, tu peux la mettre l'été, à mon avis. elle va pas te faire mal quoi. Pas te faire mal. Bon, alors, voyez les panneaux à damier là-bas, là, ce matin la queue Rip Curl elle est jusque là, donc ouais, là ça va, ouais, beaucoup mieux parce que vous voyez toute la route là, et en fait elle commence que ici là, donc on va la remonter. On la remonte, Bruno. Alors, allez, c'est un peu chaud parce qu'il faut un peu slalomer, mais ah merde, non c'est bon, ça tourne, je croyais que ça tournait pas quoi. Bah, je mets les lunettes de soleil parce que c'est un peu compliqué. Allez, c'est parti, elle avance un peu quand même. Allez, c'est parti, on y va. Alors, des fois il y a des voitures. Ah, c'est un peu compliqué quand il y a une voiture, c'est à la gueule. Hop, là ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'Espagnols, d'ailleurs il n'y a que des Espagnols. Mais apparemment ils aiment faire la queue, donc ça pose pas de soucis. Voilà, on s'approche déjà, on voit les magasins, c'est déjà bon signe, ça veut dire que... Là c'est bon signe, on commence à voir les magasins là. Oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Là c'était la queue non officielle là. D'accord, ah oui voilà, bah, la queue. La vraie queue. Ah oui voilà, là on commence un peu comme le Tour de France. À 2 km de l'arrivée, on commence à voir les barrières. Et ça permet pour le sprint là qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, les enfants pleurent pas, vous voyez, donc c'est bon enfant. Et ça avance, regardez ça. Voilà, c'est pas une queue statique, c'est un truc qui avance régulièrement, là par exemple là. Là ils avancent, là ils avancent plus, mais ils avanceront, il n'y a pas de stress, de toute façon ça dure encore 3 jours, donc il y a toutes les chances d'aller chez Rip Curl, voilà. Faut pas arriver le samedi parce que sinon c'est un peu juste pour rentrer le dimanche. Voilà, donc il y a ceux qui ont abandonné là. Le samedi, mais, tu peux pas, quoi. Voilà, petit resserrement de chaussée, donc... L'Espagnol dans ce cas-là prend toute la route. Du coup c'est un peu compliqué. Alors hop, on va doubler. Voilà. Et là on commence à voir Rip Curl là-bas dans un coin, là, je sais pas si vous voyez. On commence à voir du Rip Curl là. Il y a des camions, Là on sent que ça chauffe, là on sent l'excitation, là ça fait déjà 6 heures qu'ils sont dans la queue. Là ils sont plus qu'à 1 heure de l'endroit. Ouais, même pas là, 1 heure et demie quoi. Et là, premier arrêt, en fait c'est un saut de camion, une coupure de queue, c'est assez. Donc là on y croit, on a l'impression qu'on peut se mettre là. D'ailleurs je me demande s'il n'y en a pas qui le font. Mais non. Ah, un passage. Donc là, oula, et là on commence à sentir le côté Rip Curl. Voilà, donc là on y est encore. Là on voit, bon ils ont l'air sereins. Ils sont bronzés là maintenant, hein, parce que ça fait 4 heures qu'ils sont au soleil. Et là on n'est pas très loin de l'entrée, là, le magasin, la musique, on y croit. Et il y a encore un peu là-bas. Mais... on est vraiment. Salut! On est vraiment là, un petit peu de sécurité pour pas que ça gruge, normal. C'est toujours des petits malins. Voilà, bon là c'est, ils sont quasiment arrivés, là c'est. Mais voilà, on y est. Ah, et j'ai l'impression qu'il y a une queue VIP. Il y a une queue VIP de l'autre côté. Voilà. Voilà, c'est là, c'est ici le Graal. Là c'est la queue VIP, c'est le Fast Pass en fait, c'est comme à Disneyland. Ils l'ont pris il y a 2 semaines. Hein. Voilà, donc dedans il y a tous les beaux gosses Rip Curl là. Et à mon avis, c'est la grosse fiesta, il doit y avoir une piscine, je sais pas, ça spring break là-dedans. Allez, on finit là.